Hello! Hello! Il est 19h00, vous avez vu, je suis à l'heure! Salut! Salut! Salut Nathalie, t'es la première à commenter, salut! Salut mes fidèles! Allez, on se connecte, il est 19h, salut Kit! Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez la patate, j'espère que vous avez l'énergie! Voilà, je transforme votre vendredi soir. Salut Angélique. Salut Nadia. Je crois que dans un ancien temps, le vendredi soir, c'était signe d'apéro, d'aller sortir. Voilà, on clôture la semaine et tout. Et ben non. Kit, j'ai mal aux jambes d'hier. Ah, bon, t'inquiète pas, dans quelques jours, ça ira mieux. Salut Christine, salut Nat. Ah là là, le cours d'hier, pour ceux qui ne l'ont pas fait, je le recommande. C'est un petit cul abdo-fessier, il est passé nickel. Salut Laurence, Madame Énergie. Ben, j'essaye. Bon, est-ce que, vous inquiétez pas, j'ai vu Corinne t'es en retard. Mais t'inquiète, je parle beaucoup, vous savez, vous avez le temps. Salut Coco, salut Nathalie. Mal aux pêches surtout, cool, bah, je suis bien contente. Je me change, vous inquiétez pas, on a le temps, il est que 19h. Est-ce que le vendredi soir est un créneau qui vous plaît? Parce que vous le savez, en salle de sport, en général, les cours le vendredi soir, c'est là où il y a le moins de monde. Mais quoique, moi je sais que mes cours de mon pump, je donnais un pump et un attaque le vendredi soir et c'était ouf, Donc j'avoue, il y avait aussi du monde. Donc je sais pas. Mais en général, c'est vrai que vous avez envie de sortir. Mais là, on peut pas sortir. Vous êtes chez vous. Il est quelle heure? Oui. Non, on n'est pas encore confinés à Paris. Mais bientôt, dans toute la France, on sera confinés. Du coup, vous serez obligés de rester avec moi. Juste avec vous et moi. Hein? Salut Aurélia. Reprise après bien longtemps. Et ben comme je dis, le plus important, c'est de reprendre. Je sais que les vacances sont passées, hein, on peut voir, elles sont bien passées. Elles sont bien passées, on s'est relâché, ouais, mais par contre, maintenant, le mois de janvier, il faut reprendre. Ouais. Là, le mois de janvier, on est obligé. Salut Midi, contente de te retrouver. J'avais pas encore le temps de reprendre tes cours. Ah, trop content de retrouver ton big smile. Et ben, je suis bien contente de te retrouver aussi. Ah, tellement chouette de te retrouver tous les soirs, vendredi soir inclus. Et ben, écoutez, j'espère. J'espère. Si on était que trois, je pense que j'aurais dit non, ça marche pas. Mais je pense que la semaine prochaine, bizarrement, on va être encore plus nombreux. Alors, je m'excuse pour pour vous avoir dit tardivement l'intitulé du cours. Et je me dis, bon, à un moment, c'est tellement tard, je me dis, bah, je vous fais la surprise, vous connectez, même si vous savez pas quel cours vous attend. Après, je dis non, ça se fait pas. Comme hier, on s'est concentré essentiellement sur cette zone ici. On va la laisser se reposer un petit peu. Et du coup, on va se focaliser essentiellement là-dessus, ici. Le dos, voilà, tout ce qui est pec, triceps, épaules, dos et biceps. Et un petit peu d'abdos, forcément, avec du gainage. On a bien sûr besoin d'une paire d'haltères. Là, par contre... Oula, je suis en retard dans les commentaires. À trois personnes, oui, on est loin. Ouais, j'avais un peu sous-estimé. Donc là, par contre, vous savez, pour les cours de renfo classiques, je vous dis 2 kilos. 2 kilos, c'est vraiment l'idéal. Mais là, car on a un mouvement qui s'appelle... Hop, le développé militaire, c'est l'un des exercices... Déjà, je vais me mettre comme ça, hop. L'un des plus intéressants pour les épaules, et c'est un des meilleurs exercices pour vraiment renforcer toutes vos épaules, les trois deltoïdes. Mais par contre, il est très très intense. Et là, par contre, je vous autorise vraiment à peut-être prendre une bouteille d'eau ou alors des petites haltères de 20 kg. Ouais, c'est le seul moment où je vous dis que vous pouvez prendre plus léger. Parce que 3 kg, ça va être très très intense. Donc là, vraiment, je recommande vraiment juste seulement pour les garçons... ou les filles qui font la musculation, de prendre les 3 kilos, sinon 2 kilos à 1 kilo sur certains exercices, ok? Sinon, bouteille d'eau, hein. Moi, d'ailleurs, j'ai envie de les sortir, là. Mais je me dis, non, je reprends, j'assume mes vacances, donc tant pis, je reprends à 3 kilos, c'est pas grave, même si c'est dur, ok? Donc là, vous avez le E droit. Et demain, il y a cours, bah oui, demain, il y a cours à 10h, on fait toujours le petit stretch à 10h du matin, et à 11h, ça sera le cours sur mon groupe privé. Que je peux pas te dire le nom ici.
Voilà, donc demain aussi je vais claquer totalement. Mais c'est pas grave, demain est un autre jour. Là, on se consacre essentiellement aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts? Mes 90 petites pêches. Et inspire. Ah, merci Corinne. J'essaye toujours de vous surprendre. On s'en doutait un peu. Ok. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que mes petites haltères, attendez, je les prends. Hop. Ici. Ah, mais je vous ai pas dit. Ah, je vous ai pas dit la bonne nouvelle. Vous savez combien de temps on travaille? 1 minute. 1 minute. Donc sachez que 1 minute de pompe, comme 1 minute de développé militaire, ça va être très long. Voilà pourquoi je vous dis, s'il vous plaît, vous pouvez avoir des haltères plus légères que d'habitude. Voilà, parce que 1 minute, ah, je pense qu'on va déguster là. Ça sera à point. Je vais mettre un peu plus fort. Voilà, et bien sûr, on a seulement que 15 secondes pour changer d'exercice. Et en plus, on alterne renfo, cardio, renfo, cardio, renfo, cardio, renfo, cardio. Voilà, donc normalement à la fin du cours, on a bien transpiré. 1 minute, oui Mathilde, 1 minute, c'est vendredi soir, on clôture la semaine de reprise en beauté. Voilà, moi je pense que vous êtes prêts, d'accord? Si on était 100 pour partir, et là tout le monde va se déconnecter, on va dire non, 1 minute, je veux pas. Si, vous le voulez. On a survécu au CAF d'hier, moi je dis on peut tout faire. Franchement, on peut tout faire. Salut Léonie. Alors, toujours, tu te calmes. On est prêt ou pas? Smiley? Ça va être top tout ça, merci. Allez, on peut s'appuyer sur les smileys. Smiley. On va pas mettre... Attendez, je sais plus c'est quoi la musique. Putain. J'ai une position très particulière. Oh, il y a des petits cœurs. Voilà pourquoi on est venu live. Bon bah, force à vous. Force à vous, on y va. Ouais. Attendez. On est parti, allez on trottine sur place. Allez, on trottine, on est parti pour seulement 5 minutes d'échauffement. Allez, le petit footing, toujours, hop, les bras totalement relâchés. On peut courir en cercle si on a envie de courir en cercle, sinon on peut courir sur place. C'est juste pour faire monter le cardio progressivement. Allez. Allez, au fur et à mesure, bien sûr, pour réveiller l'arrière des cuisses. Talons, fesses. Je suis en train de penser au cours et je pense qu'on va claquer. Mais avec le sourire, dans la bonne humeur et tous ensemble, c'est sympa, non? Allez. Je sais pas si vous me voyez bien. Je vais éteindre la lumière, désolée. Hop. Allez, continuez à trottiner. Non, je pense que vous me voyez bien. Allez, montez de genoux. Baby genoux. Tranquille, tranquille, vous mettez pas dans le noir, tranquille. Allez, on active les bras, on lève la poitrine, on serre les abdos. Allez, 10 secondes, on passe au sol et on part en pompe. Est-ce qu'il y aura des pompes? Forcément, il y en aura beaucoup. Hein. 3, 2, 1, passez au sol. Allez, les mains larges, à l'extérieur des tapis, pompe large. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Les coudes tournés vers l'extérieur. Toujours si besoin, n'oublie pas. Ici, vous rapprochez vos genoux et vous enfoncez le sol constamment, que ce soit à la descente et à la montée. Allez, j'en fais encore 10 et c'est moi qui compte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, stop, debout. Allez, on trottine. On trottine, on trottine, on trottine, on trottine. Talons, fesses, talons, fesses. Oui. On aura toujours le coup de sifflet et lui, on va l'aimer, qui est un
indiquera la moitié du temps. Lui, on va l'aimer. Allez. Là, normalement, on commence à se réchauffer. Hein. Allez, petit genou. Toujours bas, mais on essaie d'accélérer. Allez, 10 secondes. 10 secondes. Accélérez. 5, 4, 3, 2, 1. Au sol, paumes serrées, paumes triceps. Allez, mains sous les épaules. Vous fléchissez les coudes vers l'arrière. En gardant toujours le poids du corps. Hein. Vous pouvez essayer de chatouiller vos côtes avec les coudes. Là, je suis consciente que c'est la pose la plus difficile. Vous pourrez toujours rester ici. Hein. Là aussi, j'enflamme les triceps. Hein. Mais comme sur la pompe large, on enfonce le sol à la descente et à la montée avec la paume de main. Ah, là, vous voyez, là, je suis relâchée. Je fais rien du tout, là. Là, je peux en faire 500 milliards, il ne se passera rien. Par contre, là, oh, et ben là, ça brûle, c'est ce qu'on recherche. Il reste 10 secondes. C'est exactement ce qu'on recherche, la brûlure dans l'arrière des bras. 3, 2, 1, gainage. Allez, sur les coudes, une minute pour finir. Allez, soit les pieds serrés, si vous sentez l'âme d'un warrior, sinon largeur d'épaule, c'est plus facile, voire sur les genoux. On rentre le ventre, et on expire par la bouche, ça va engager encore plus vos abdos. Mais toujours en ayant le poids du corps légèrement vers l'avant. On a tendance à reculer ses épaules et à reculer ses fesses. À avancer. Allez, dans 25 secondes, l'échauffement est fini. Une minute de travail. On va adorer cette minute, je vous promets. Je sais que vous allez dire, vous êtes en train de dire, Flo, t'abuses. Une minute pour une reprise, c'est dur. Oui, je sais que c'est dur, mais on n'a rien sans rien. Échauffement fini, on enroule ses épaules, on reste au sol et on commence bien sûr par les pompes larges. Allez, force à vous, une minute de pompe, c'est très long, partez pas comme une fusée. Jouez la prudence. Allez, en position, 3, 2, 1, c'est parti. Exercice. Allez, une minute. Comme je vous conseille de partir sur les genoux, ça sert à rien de commencer sur les orteils. Enfin, pas au premier tour en tout cas. J'inspire, je souffle. Vous avez trop tendance à rester en apnée. Il faut oxygéner ses muscles pour qu'ils soient performants, hein. Sinon forcément vous allez pas y arriver. Votre bonne amplitude, je pense que vous la connaissez par cœur. Il faut que la poitrine frôle le sol. Là, vous êtes en amplitude complète. Yes, on a fait la moitié. Hop. Sinon, le nez. Ah, le nez vers le sol. Là, c'est la pompe numéro 1, mais il y a aussi le travail sur vos pecs, sur vos triceps et sur vos épaules. Hein. Aïe, aïe, aïe. Du coup, vous m'en faites un maximum. Il reste 10 secondes. 10 secondes. Ah ouais, je pense, ouais, vraiment une minute, c'est long. Debout, cardio. Jumpy jack. Jumpy jack. Allez, on y va. Oui, on est presque 100 pour un vendredi soir. Exercice. Allez, une minute. On ouvre les genoux vers l'extérieur. On pousse ses hanches vers le sol. Et en même temps, vous levez les bras. Donc je vous conseille, sur les 30 premières secondes, vous partez tranquille, tranquille. Et seulement à la deuxième moitié, vous pouvez accélérer. Si vous ne voulez pas sauter, hop, tape au sol, toujours en levant les bras. Ça a le même effet. Hein. Allez, 30 secondes, le cardio va aussi monter. Allez. Donc là, si vous avez envie d'accélérer, accélérez. Allez, toujours focus. Respiration. Allez, 10 secondes. 10 petites secondes, mes pêches. Aïe, aïe, aïe. Yes. 15
15 secondes pour passer au sol. La suite, triceps extension. Allez, on met, on commence avec le bras droit. Une minute avec le bras droit. On avance sa jambe gauche. On prend appui sur son coude gauche. Et on tire. Exercice. Un, je tire le coude en arrière. Et je tends. Donc le bras doit être parallèle au sol à chaque fois que vous me tendez. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Prenez appui sur votre cuisse gauche, hein, totalement. Bien sûr, en gardant le dos droit. Vous penchez vers l'avant, mais votre dos est droit. Hop, pas de dos rond. Et surtout, focus. Focus, votre coude doit rester fixe. Donc, il est toujours tiré vers le haut et vers l'arrière. Ah. Donc, pas de mouvement. Hop. Là, ça ne sert à rien. Il faut un, vous tirez et deux, vous tendez. Et là, normalement, ça brûle. À chaque fois que vous tendez le bras, il doit avoir une belle grimace. Allez, 5 secondes. Oh, punaise. Bien sûr, on fera le côté gauche tout à l'heure. La suite, carpisse puissant. Vous êtes en position de planche. Et vous ramenez les pieds vers les mains. On reste fléchi. Et on repart en planche. Une minute. Exercice. On tend. Et on lève la poitrine. On pose les mains au sol, planche, et je lève. Vous devez vraiment vous redresser. Si jamais c'est trop intense, vous pouvez très bien, tant pis, rester debout. Et après un squat et une planche. Mais le but, c'est de rester fléchi. Et plus vous êtes à l'aise, mince, ça il me gêne. Plus vous êtes à l'aise, plus vous mettez la vitesse. 30 secondes. Mais il faut totalement se redresser et garder le dos droit. 20 secondes. Ah, et d'avant, on sent les cuisses. 15 secondes. Allez, ça va sonner. Yes. Là, on commence à avoir chaud. On reprend les extensions, mais de l'autre côté. Allez, bras gauche. Exercice. Allez, imaginez que vous voulez donner la terre à quelqu'un qui se trouve juste derrière vous. Donc pas à côté, juste derrière. Par contre, si c'est trop facile, si vous ne le sentez pas, il faut vraiment contracter volontairement son triceps. Même avec 1 kg, même avec cette bouteille d'eau, je peux avoir le triceps en feu. J'ai bien fermé ? Oui, j'ai bien fermé. Il faut allonger le bras le plus possible à l'arrière. La fonction du triceps, c'est-à-dire son travail, c'est quand vous tendez. Donc plus vous tendez, plus vous renforcez votre bras. Et les triceps, c'est ce qui forme le bras. Allez, 5 secondes. On reste au sol, il y a beaucoup de gainage aujourd'hui. On est en position de planche, vous allez ramener le pied vers la main. Pied, pied, pied. En gardant les hanches les plus basses possibles. Exercice. Allez, droite, gauche, droite. Donc là ici, vous contractez le plus possible vos abdos pour garder la position. Si besoin, vous pouvez très bien poser un genou au sol, vous revenez. Un genou, revenez. Donc là, ça dépend beaucoup de votre mobilité de hanche. Si vous sentez que vous êtes raide, vous mettez le stretch dans vos entraînements, c'est à l'idée de marquer. Allez, 30 secondes. Ah, j'ai voulu partir comme une fusée et du coup, plus de jus.
Oui. Et eh ben on va les terminer. Développé militaire, si vous voulez prendre la tête plus légère, c'est maintenant. Vous restez sur les genoux. Coude à 80 degrés. Et on allonge. Ah. Allez, les coudes au niveau des épaules à la descente, pas plus bas. Une belle extension des bras, il faut que les haltères se touchent à chaque montée. Et le tout en plus. Vous levez la poitrine et pour cela, vous serrez vos omoplates. Les omoplates, c'est dans le dos. J'inspire, je souffle. Allez, c'est plus dur musculairement, c'est lui, hein. Allez, on a fait la moitié. Mais si vous voulez progresser en pompe, bah, il faut renforcer les épaules. Et ça passe par cet exercice. Par contre, je veux des bras bien tendus aussi. On a tendance à les faire tout mou. Non, je veux... Attendez. Allez, 8 secondes. Oh, punaise, je déguste. Je suis avec vous, hein. Je suis avec vous. Hey, dernier exercice, encore du gainage. Grimpeur. 1 minute de grimpeur. Partez pas trop vite, ma team. Pas trop vite. Allez, mains sous les épaules. Force à vous. Exercice. Vous entendez mon souffle? Prenez le temps. Je préfère moins de grimpeur, mais plus vite à chaque fois que vous levez le coude. Je veux de la vitesse sur le genou. Ouvrez vos mains pour avoir le plus de contact possible au sol, hein. Restez concentrés. Allez, on a fait 30 secondes. Si vous avez envie de vous relâcher, vous pouvez. 30 secondes de grimpeur, c'est déjà énorme. Moi, je vous demande 1 minute. Vous pouvez relâcher vos épaules quelques instants. Et dès que vous les reprendre, on y va. Allez, il reste 15 secondes. Et ceux qui veulent accélérer, c'est maintenant. Il reste 10 secondes. 10 secondes. Oh punaise. Le dos. Debout. Le mouvement. L'oiseau. Passez l'arrière de l'épaule. Jambes fléchies. Exercice. On ouvre. Allez, on pousse les hanches en arrière. On bascule le buste vers l'avant. Et on ouvre les bras. De face. On regarde le sol, ne me regardez pas. Là, c'est le sol qu'il faut regarder. On protège sa nuque. On expire à chaque fois que vous ouvrez les bras. Oh, punaise. Là aussi, on se concentre sur l'arrière, vraiment sur le haut du dos. Donc, vous serrez vos omoplates à chaque fois que vous ouvrez. Allez, 20 secondes. Si vous avez envie de vous redresser quelques instants, vous pouvez. Allez, on y va. Oh punaise, 10 secondes. Envolez-vous avec cet haltère. On termine par quoi? Par quoi? Burpees. Bah oui. Allez, on n'oublie pas, il y a la pompe, hein. Allez, pieds larges. Exercice. Squat. Planche. C'est très long. Préservez-vous. J'ai dit, moi, mon but, c'est de vous voir bouger pendant la minute et non seulement pendant 30 secondes. On n'oublie pas l'option. Hop, je rapproche mes genoux. Le nez vers le sol. Un pied, et je lève quand même les bras. Ça, c'est aussi un burpees, hein. Et tous ceux qui critiquent ce mouvement, j'en dis qu'ils connaissent rien du tout à la vie, en fait. En général, c'est les crossfitters, hop, qui oublient qu'on a tous commencé un jour et qu'on n'est pas né en faisant des pompes et des sauts. Donc, n'ayez aucune culpabilité à rapprocher vos genoux. Aucune. Et là, c'est un vrai coach qui parle. Ah. Voilà, bonne nouvelle, je ne vous ai pas dit.
Il y a 3 tours. Il y en a 3, on a fini. La récup, vous le savez. Gainage, mais j'aimerais bras tendu. Si vous avez envie de partir en gainage, c'est bras tendu. Donc ça, c'est notre récup active. C'est ma marque de fabrique, ça ne changera jamais. Si vous voulez faire ça, boire un coup, vous pouvez. Moi, je dis juste le petit plus aujourd'hui. Si vous voulez faire du gainage, j'aimerais bras tendu. Parce que forcément, ça va activer encore plus vos triceps, encore plus vos épaules. On est sur un haut du corps. Ah! Allez, 30 secondes. Il faut que vos bras soient parfaitement tendus. Hein. La suite, on garde les mains largeur d'épaule, c'est des pompes triceps. Le premier tour, on a fait des pompes larges. Le deuxième tour, c'est des pompes serrées. 1 minute. Jumpy Jack. Ah. Exercise. Et avouez, c'est pas le cardio le plus tranquille. C'est celui que vous préférez, je sais. C'est pour ça que je l'ai mis au début. Allez, on lève les bras, on lève, on peut même taper dans les mains. On réveille tous les voisins. Oui. On est là. Allez, 30 secondes. Là, vous devez sentir le cœur s'accélérer. Hein. Si vous voulez passer au niveau supérieur, la quatrième vitesse, allez-y. Moi, je n'arrêterai pas. Et vous? Allez, il nous reste 10 secondes. Triceps, bras droit. Allez, un genou gauche. Ah. Exercise. Il faut, là, je me bats contre vous en cours. Il faut vraiment que vous ressentiez votre bras. Encore une fois, là, je sens rien comme ça. Si vous sentez que vous êtes en train de faire la même chose que moi, non, là, on sent rien. Vous tirez le coude haut et ensuite, vous allongez loin derrière. Ça charge tout. Et ce n'est pas avec un problème de charge. Hein. Je les dis, même sans rien, là, je lâche les triceps en feu. Allez, 20 secondes. Donc ça, c'est une question que j'y pense tous les jours. Comment on dessine les bras? Bah c'est ça. Voilà. Là, l'un des exercices numéro 1, après les pompes, pour dessiner ses bras. Ah. 5 secondes. On a envie de faire ça ou pas? Oui. Allez, burpees puissants. Souvenez-vous, on est en planche et on ramène les pieds à l'extérieur du tapis en restant bien fléchi. C'est parti.
en planche, je veux une vraie planche. Ça, c'est pas une planche. Là, c'est une planche. Donc, je préfère du contrôle, un peu moins de rep, mais vraiment une technique parfaite que vouloir faire comme ceci. Vitesse, vitesse. Et là, vous voyez, là, je vais me tuer le dos. C'est juste ce que je vais faire. Ok? Sinon, on peut marcher. Alternez deux pieds qui montent en premier. Allez, 20 secondes. Ah. 10 secondes. Rest. Vers le plafond, psychologiquement ça m'aide à tendre les bras. C'est complètement débile. Mais peut-être, voilà, moi c'est ma petite astuce. Peut-être que chez vous ça va aussi marcher. Allez, ma team, il nous reste 15 secondes. 15 secondes. Allez chercher le plafond avec vos haltères. Le plafond. C'est le moment le plus dur. Le plus dur. Mais on va le faire tous ensemble, hein. Ah oui, c'est grimpeur. Grimpeur, ma team. Ah, c'est vrai que je vous ai pas épargné là sur les épaules. Hein. Ah, je vous ai pas du tout épargné. Grimpeur, 1 minute. Allez, on peut croiser. Genou gauche.
moi. Donc peut-être, restez, vous visez 30 secondes, c'est très bien. Peut-être vous allez viser 45, la mieux n'est pas obligatoire. Hein. Attendu, ouvrir récup. Recovery. Et ici, hop là. Et la bonne nouvelle, ben il nous reste un petit tour. Vous avez vu comment 45 minutes ça passe vite? Un petit tour. Moi je fais les 30 dernières secondes de gainage. Allez. Ah. Si vous voulez continuer à vous reposer, vous continuez. Allez, en pousse, moi je reste, allez, c'est parti. 30 secondes. Le premier tour, on a fait des pompes larges. Le deuxième, on a fait des pompes triceps. Le troisième tour, je vous laisse le choix. C'est très simple, vous avez le choix. Mais prenez la pompe la plus intense pour vous. Donc, je dis rien. Moi, je vais rester en pompes triceps. Allez les os, vous avez le choix. Ah. Vous pouvez même commencer en pompe triceps et les 30 dernières secondes en pompe large. Tout est possible. Hein. C'est votre entraînement. Hein.
Un max de pompe. 20 secondes. Ah, 10 secondes. On aura fait la minute. Vous aurez fait 3 minutes de pompe. C'est juste énorme. Rest. Jack, de douceur. Exercice. Let's go. Allez, vous n'aurez jamais autant aimé les jacks. Vous avez vu cet endroit stratégique, tout est réfléchi. Allez, on y va. 45 secondes. Attendez, je mets juste un peu plus fort. Le meilleur, hein? Il reste 15 secondes. Ah! Allez, jusqu'au bout, ma team. Rest. Je pense pas, hein.
je loupe, mais pourtant je fais pas de bruit. Hein. Ah, 20 secondes. Ah!
J'ai dit l'option, j'aimerais bras tendu. Mais si jamais vous le sentez pas, restez sur les coudes. Allez. 10 minutes. Ah. Allez, videz-vous l'esprit. Concentration, respiration, c'est que ça. Expirez le plus fort possible, vous allez sentir le travail tout de suite sur vos abdos. Hein. Allez, sol. Allez, la moitié, la moitié. Si vous voulez vous mettre sur les coudes, bien sûr, vous pouvez. Vous pouvez. Je ne vous force pas. Oh, punaise, les épaules. 15 secondes. 15 secondes, ça sonne et on peut s'écraser au sol. Allez, Mathilde, 10 secondes. Great workout. You spent 45 minutes 48 seconds exercising. Bravo ma team! On l'a fait! Ah, j'ai... Est-ce que vous avez encore les épaules? J'ai plus d'épaules, je vais sortir. Ça y est. Ça y est, c'est parti. Eh ben c'est passé! C'est passé! Tout va bien! Allez, petit effort pour se redresser. Allez, je m'approche. Ah. Ah. Hop. Oh, mais j'ai perdu ma serviette, dis donc. Ouh. Hop. C'était top. Merci, Kamal. Ouh. Bon, est-ce que le vendredi soir, ça passe? Bras et épaules en feu. Merci, merci, Flo. Mais c'est avec plaisir. Ah. Qu'est-ce que vous en pensez de ce cours? Parce que je crois que je ne vous l'avais jamais fait, ça. Je crois que le 45 minutes, j'allais craquer, mais tu motives de ouf. Merci, Nadia. Ça, c'est le plus beau compliment que tu peux faire. Tu peux me faire. Merci. Mais oui. Mais oui. Moi aussi, j'allais craquer. Mais on est une team, on est ensemble. Voilà, donc s'il y a un de nous qui craque, tout le monde craque. J'ai été une loque depuis le début, pas d'énergie today, mais super court. Eh ben ça arrive, tu le feras une prochaine fois. Ça arrive, ne vous forcez pas. Quand vous sentez... Des fois, on manque d'énergie et j'allais dire, l'appétit vient en mangeant. Et du coup, après, on se retrouve... Mais des fois, ça ne vient pas. Du coup, ne vous forcez pas. Ça arrive, ok? Dur, dur, terrible comme d'habitude. Super, merci Sophie. Merci Flo, j'ai failli pas le faire, mais tu m'as donné du courage. Oui! Je veux un monde en bonne santé. Grégory, merci pour ce cours. C'est bien, les garçons étaient là, c'est cool. Alberto, ouais, les garçons étaient là, c'est cool. Je suis ultra contente. Je suis ultra contente, mais vous le savez, ce cours, c'est pour tout le monde. Hein. Isabelle, top, merci beaucoup. J'ai les épaules en feu. Ouais, moi aussi, plus d'épaules. Plus d'épaules. Ouais, c'est mieux comme ça. Ouh. Génial comme d'hab, mais j'ai plus d'épaules. Super secours pour le haut du corps et le cardio. Ouais, et ben... Ouais, mais je crois que je ne l'ai jamais fait. Parce que j'ai fait renforcement haut du corps, mais peut-être pas avec du cardio, et c'était en 30 minutes. Donc, ah, la question... Attends. À la question de tout à l'heure, l'heure top. Je sais plus c'était quoi la question. Épaule on fire, j'ai tenu grâce à toi. Le vendredi soir, horaire parfait, la couche parfaite. Oh, merci, merci. Bah, je suis la plus heureuse.
Moi, j'espère juste égayer, voilà, votre vendredi soir, comme on peut plus sortir, on peut plus rien faire du tout, on n'a plus droit au contact. Et ben moi, j'espère que ces petits lives comme ça, ben, du coup, maintenant, notre rendez-vous du soir, et ben ça vous plaît, et puis ça vous donne le sourire, et qu'après, vous avez envie de tout déchirer dans la vie, quoi. Ouais, voilà, moi, si je peux, si grâce à ces cours, si ça peut vous faire du bien, ben, je continue, et je suis la plus heureuse. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je continue, parce que je crois que ça vous fait du bien. Enfin, c'est pas je crois, j'en suis sûre. Le sport, c'est la santé, c'est tout. Donc, ça fait forcément du bien. Bon, pendant qu'on y est, hier pendant les fessiers on disait pas la même chose, là pendant le développé militaire on disait pas la même chose pendant les grimpeurs, mais c'est bon. J'ai trop mal aux épaules, j'ai eu trop de mal à attraper mon tel. Oui, oui, mais là vous allez progresser. Pas facile le vendredi soir, mes amis, mais on te fluffe quand même. Oh, c'est gentil. Merci de nous booster, bah je continuerai, je suis rassasiée. Bah oui, tu donnes tellement d'énergie, merci. Ça mérite bien un petit apéro. Et ben Sandra, j'ai envie de te dire oui, 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 voilà, l'apéro, vous pouvez, si vous voulez partir, allez-y, faites-vous plaisir. Vous le savez, la motivation numéro 1, hein, c'est le sport pour manger. Hein. À la base, à part être en bonne santé, à améliorer son cœur, tout ça, oui, oui, oui. Mais c'est aussi pour manger, c'est aussi pour manger. Moi, je vais peut-être pas manger parce que j'ai trop mangé. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. J'ai trop mangé pendant Noël, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Il n'y a aucun problème. Ah là là. Merci Flo, j'ai les épaules en feu. Top soirée sportive by Flo Flo. Renfo, dépêche avec élastique, puis renfo, rond du corps et cardio. Et ben, t'as la séance parfaite. T'as la séance parfaite, ça te fait une heure et demie de super. Je transpire, la fenêtre ouverte, génial. Baisse à refaire, bah, je suis trop contente. Je suis trop contente, demain on se retrouve le matin à 10h pour ceux qui veulent. Et sinon bah, on se retrouve... Bah, j'ai envie de vous... C'est vrai que j'allais dire sinon lundi matin. Mais je pense qu'on va faire plus simple, on va faire tous les lives à 19h. Tous les lives à 19h, de toute façon on est confinés, donc je vais être chez moi à 19h. Hein. Donc je pense qu'on se voit lundi soir, ouais, au lieu de lundi matin. Lundi soir, ouais, on va pas changer les... Ouais, il y a juste le samedi où ça sera le matin, voilà. La question c'était l'horaire du soir, et ben super. Oh, une bouffée d'oxygène et Paul, on vient d'en jouer. On arrive à se dépasser grâce à toi, Irène. Et ben ça, c'est vraiment la plus belle chose que vous pouvez me dire en tant que coach. Ouais. Ouais, ouais. Si même à travers un écran, parce que je ne suis pas à côté de vous, bah j'arrive à vous motiver. Moi, c'est ma plus belle, je vous le dis, ma plus belle récompense. Vraiment, tous les messages que je reçois, parce que beaucoup d'entre vous m'envoyez des photos en privé au lieu de le mettre sur en story ou des messages en privé, mais je me régale. Ça me réchauffe mon petit cœur. Voilà. Donc, c'est pour ça que je continue ces cours. Alors perso, je trouve que ce cours, c'est le bon compromis en une fin de semaine. Ah, bah en une fin de semaine de travail. Eh ben super Flo. Ouais, je trouve que il est bien passé. Enfin bien passé. C'est ouf comment, vous avez vu le corps humain oublie ce qui vient de se passer. Genre, on vient de dire il est bien passé. Mais est-ce que pendant qu'on faisait les grimpeurs, on disait que ce cours passait bien? C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Ah, le corps humain est bien fait hein. On a plus besoin de sport que jamais. Quel cours, je crois que je vais finir par préférer le body attack. Ouais. C'est différent. Sympa, t'es... Ah, mais vous voyez tout ! Sympa, les dossards de marathon. Ouais. Ah, oui. Eh ben alors, oui, il y a mon marathon, mon premier marathon et mon premier semi-marathon. Voilà, que j'ai affiché. C'est les seuls... Ben, non, il y a... Oui, c'est ça. C'est les seuls et là, si vous voyez pas, il y a toutes mes médailles. Vous voyez là ou pas? Je vous montre ma life. Toutes mes médailles de course à pied. Donc, il y en avait beaucoup et en 2020, il n'y en a eu aucune. Il y en a eu zéro, que dalle, nada. Et je crois qu'en 2021, on est parti pour avoir zéro objectif encore en course à pied. Ouais, ça c'est terrible, donc je... Grosse pensée à tous les runners, et je sais que c'est compliqué de se motiver quand on n'a pas d'objectif. Moi je suis la première, j'ai pas d'objectif, du coup je me motive pas. Ouais, donc vraiment, bon, j'admire ceux qui arrivent à se motiver, à se faire des plans d'entraînement, même s'il y a zéro objectif. Parce que 2021, je pense pas qu'il y aura des courses. Voilà, bon, vous savez tout.
Vous savez tout, Flo, tu fais partie de la famille pour de vrai. Oh, vous êtes trop chou. Et en tout cas, merci, parce que beaucoup d'entre vous, du coup, vous partagez mes vidéos, vous parlez autour de vous à vos amis, à vos familles, à vos collègues, mes vidéos. Et ça, vraiment, moi, je suis juste ultra, ultra, ultra contente. Voilà. Voilà, on est 5000 sur Facebook. On est 4000 sur YouTube et on est plus de 13000 sur Insta. C'est incroyable cet engouement. Donc je peux que mettre des cœurs. Je peux que mettre des cœurs. Eh, peut-être que ce week-end on va se faire un petit question-réponse. Bah oui, peut-être. Comme on fait pas de sport. Ah oui, par contre, dimanche je travaille. Pas par contre. Dimanche, vous le savez, dimanche c'est repos. Il n'y a pas de live le dimanche, vous êtes habitués. Ça ne change pas. Manger des donuts. J'adore les donuts. Trop hâte de te retrouver demain sur ton groupe privé. Et ben oui. On va claquer demain. Je vais claquer demain. Ça, je pense, un mois sans vous savez quoi, je vais claquer. Une petite binouze m'attend avec mes petites carottes. Et ben écoute, vas-y. Fais-toi plaisir, il n'y a aucun problème. C'est quoi le cours de demain? Bah, j'ai dit demain 10h, c'est un cours de stretch. Vous savez, on se réveille en douceur. Voilà, on se réveille en douceur. Petit cours de stretch. Voilà, voilà. Et à 11h, un cours un peu plus fou. Sur le groupe privé, toujours. Oui, 10h, voilà, il faut se lever tôt. Parfait, parfait. Et ben super! Écoutez, sur ces bonnes nouvelles, vous êtes au top. Je vous laisse Flo marathonienne. Eh oui, j'ai été deux fois. Oui, cette année, ça devrait être mon troisième marathon. Non, j'ai fait trois marathons. Ça devait être le quatrième. Oui, c'est ça, parce que j'avais dit j'arrête. Après, j'arrête de faire le marathon de Paris. Parce que je l'ai fait trois fois. C'était ça. Tu as la médaille du cœur, n'a pas le prix. Non, mais arrêtez, vous êtes trop chou. Bon, allez, vraiment, je vous laisse. Il est plus de 8h. J'essaie de me fixer... De raccrocher ce live au moins pour 8h. Parce que sinon, me dire j'abuse et tout. Vos maris, vos femmes vont me détester. Me dire, oh, t'es encore avec Flo. Elle parle encore. Mais le cours est fini. Ben oui. Mais sinon, je ferais pas de live si on n'aimait pas échanger. Moi, j'adore vos messages. Sinon, je me filmerais toute seule et je vous balancerais, comme on dit, voilà, des vidéos. Ben non. Nous, c'est un échange. C'est comme si on était en cours ensemble. Voilà, vous savez que quand je donne mes cours en vrai, en salle... Mais je discute toujours des plombes avec mes adhérents. Hein. Des plombes. Je pars jamais à l'heure au club. Hein. Je discute des heures. Voilà. Donc là, c'est pareil. Alors, je vais me motiver le marathon des replays. 42 heures à enchaîner. Ouais, parce que je crois que je suis à 72 vidéos, je crois. Je crois qu'il y en a vraiment pas mal. Mais normalement, je vous ai fait un trou de 3 semaines. Donc dans ce trou de 3 semaines, normalement, vous avez eu le temps de faire les vidéos que vous n'avez pas fait. Je vous le dis, si vous n'avez pas rattrapé le retard pendant les 3 semaines, ah ben là, je peux rien faire pour vous, là. Parce que comme je vais continuer à en mettre une tous les jours, ça va être chaud patate. Hein. Je vous mets déjà la pression. Non, mais c'est vrai. J'arrive après la bataille, c'est ok pour demain, cardio burn. Ouais, exactement. Bon, allez, je vous laisse, mes petites pêches. Merci à tous, merci pour votre énergie, merci pour vos sourires, merci pour vos messages. Merci à tous, je vous kiffe. Plein de bisous.